Bonjour, vous deux? Ok. Du coup, si je vous dis, en fait, on va parler Amérique latine, si je vous dis, par exemple, paella, bon, Amérique latine ou Espagne, vous pensez que ça vient de quel pays, la paella? Paella, Espagne. Espagne, très bien, ouais. J'aurais dit Espagne aussi. Si vous entendez maintenant tacos. Mexique. Mexique, ouais. Bon, on peut parler de beaucoup de choses. Par exemple, le chanteur Maluma, vous pensez que ça vient d'où? Maluma. Maluma. Tu connais? Maluma. Bon, Maluma, il fait du reggaeton, et du coup, si on parle reggaeton, vous pensez à quel pays directement? Plus Amérique latine. Amérique latine, ouais, pourquoi pas. Le Jamaïque. Non, pas trop Jamaïque. Ah ouais. Le Jerking. Si je vous dis maintenant, par exemple, Di Maria, un joueur de football, pour ça quel pays? C'est pas Brésil. Non, c'est pas Brésil, c'est à côté. Brésil, je sais pas. C'est Argentine. Ah, bah voilà, t'es pas bon. Ah, je m'y connais pas. Alors, un monument historique s'appelle le Machu Picchu. Vous pensez qu'il est situé où, le Machu Picchu? Amérique. Oui, mais ouais. C'est facile de dire Amérique latine. Et où, Machu Picchu? Ça doit être où? Dans les Andes. Ouais, dans les Andes, si, mais il y a quel pays a... Non. Le Pérou. Le Pérou. La tequila, une boisson alcoolisée, vous pensez que ça vient de quel pays? C'est le Mexique. Ouais, ouais. Bonjour, ouais, c'est ça, ouais. On connaît mieux l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord. Ouais. Si je vous dis maintenant la danse, le tango, le tango. Tango. Ouais, c'est le tango. Argentine. Argentine, ouais, c'est ça. les pesos, quel pays vous pensez qu'il y a des pesos? Il y en a plusieurs, mais pour en citer au moins. Pesos. Ouais, la monnaie de certains pays d'Amérique latine. C'est le super chuchon dans Picsou, ils en parlent. Ah oui? C'est pas ça me fait penser à Picsou. Non, Pesos. Je sais pas, ouais. C'est quoi, j'aurais dit Mexique? Mexique? Non, Mexique, il y a les pesos mexicains. Bon, il y en a plein. Il y a les pesos colombiens, les pesos argentins. Il y en a pas mal. Shakira, quel pays vous pensez? C'est pas Puerto Rico. Non, c'est pas Puerto Rico. Shakira. Je crois que c'est Jennifer Lopez. Bon, les origines Puerto Rico. Non, mais. Elle est pas colombienne. Hein. Elle est colombienne, c'est très bien. Bien. Bon, et on va terminer par exemple. Bon, c'est un peu compliqué peut-être, mais on sait jamais. Le libérateur Simón Bolívar. Ah, bah c'est en Bolivie. Bolivie? Non. Alors, voilà. Bolívar, il a été partout. Ah, il a été partout. Mais c'est pour ça que la Bolivie s'appelle Bolivie, parce que c'est Bolivar, ça se ressemble. Mais il est né dans un pays. Bolivar, pour le coup. Moi, j'aurais dit Brésil, mais... Non, c'est l'Amérique latine. La Brésil. Bah oui. Non, mais Espagne, c'est pas le Brésil. Non, mais c'est pas le Brésil, c'est un autre pays. Un pays d'Amérique hispanique, ouais. Pour le coup, hispanique. Ah, non. Hispanique, du coup, Brésil, ça va. Non, j'arrive. Pour le Et on termine, du coup, c'était au Venezuela. Et Maduro, si vous connaissez le dictateur Maduro. C'est pas Colombie? Non, pas côté, le Venezuela. Ok, non, mais c'était très bien. De toute façon, en France, on ne connaît pas exactement l'Amérique latine. C'est vrai. Ouais. Bon, il y a eu beaucoup de bonnes réponses. Bah, je vous remercie beaucoup, du coup, c'était vraiment pas de problème. Ouais, c'est sur YouTube, je mets. D'accord, c'est quoi votre chaîne? Mitch, si je vous dis tacos, vous pensez ça vient de quel pays direct? Allez, au Mexique. Mexique, ok. Si je vous dis paella? L'Espagne. Ouais. Si je vous dis la salsa, danser la salsa, vous pensez que ça serait quel pays, la salsa? Espagne aussi, ou Amérique du Sud, je sais pas, mais... Ok, ouais. Je sais pas si ça... Ouais, la majorité des cultures, c'est pour l'Amérique du Sud, en tout cas, ouais. Ok. On continue, si je vous dis le tango. Tango, mexicain, okay. Ou argentin, les deux. Argentin. Ouais, si je vous dis James Rodriguez. Non, James. Je connais même pas. Pas un joueur de foot. Pas de problème. Si je vous dis Simón Bolívar. Libertador, libérateur. Oui, c'est Venezuela, oui. Ah, ok, très bien, très bien. Si je vous dis empanadas, vous pensez à quel pays d'Amérique? Attends, c'est pas mexicain ça? Non? Bon, bah en fait, raté. C'est beaucoup de pays d'Amérique latine, mais okay, pas d'accord. Trop le Mexique, plutôt Colombie, Venezuela et tout ça. D'accord. On continue. Si je vous dis par exemple Machu Picchu, vous pensez à quel pays? Je pense aux Incas, on va dire, donc dans la région. Bah. Amérique centrale. Presque. En dessous du Mexique, c'est le Pérou là, Machu Picchu. C'est le Pérou, ouais. C'est le en dessous quand même. C'est le Pérou. Et c'est pas les Incas, c'est les Mayas? C'est les Incas. Les Incas. Ouais, Maya c'est plus Amérique centrale, je crois. D'accord, ouais. Bon, et pour terminer, quel est le pays latino? Bon, il y en a beaucoup, mais qui parle pas espagnol? Le Brésil. Ouais, le Brésil. Qui parle pas? Le Brésil. Ok, bah je vous remercie beaucoup. Pas de soucis. Merci. Le tacos, vous pensez que ça vient de quel pays le tacos? Bah, en tacos en Espagne. D'Amérique latine. Ouais, mais il faut dire le pays, c'est ça qui est un peu comme. L'Espagne. Non, c'est mexicain. La sangria, là, c'est une boisson alcoolisée, mais... vous pensez que c'est d'où celui-là? De Mexique. Non, sangria, c'est d'Espagne. Ah bah, j'ai confondu alors. Mais... Oh, il n'y a pas de problème, ouais. Si je vous dis un joueur de foot, par exemple, je sais pas si vous connaissez, James Rodriguez, vous pensez qu'il vient d'où? Bien sûr, de l'Espagne. Non, c'est Colombie. Colombie, James. James Rodriguez. Ouais, ouais, ah ouais. Colombie, ouais.
Si je vous dis par exemple tequila, une boisson alcoolisée, vous pensez que c'est ce que dit celui-là? Du Mexique. C'est ça, ouais. Mexique. Si je vous dis ceviche, c'est un plat tout au bout, vous pensez le ceviche? Ceviche, c'est, ça vient du Portugal. Non, c'est du Pérou. Pérou, ouais. Ah, ok. D'accord. Et une dernière maintenant. Les pesos, c'est une monnaie. Une monnaie. Et c'est espagnole. Dans quel pays? Non, l'espagnol maintenant, c'est les euros. Du coup, c'est ah ouais, pays d'Amérique latine qui ont les pesos. Ah oui, c'est vrai, j'ai confondu. Non, pas de délai. Mais quel pays d'Amérique latine ont les pesos? Il y en a beaucoup. Hein. Ah ouais. Il pourrait citer un ou je sais pas trop. Non, juste que. Ok. Bah, je vous remercie beaucoup. Hein. C'est très sympa, merci. Donc voilà, si je vous dis, par exemple, la salsa, vous savez la danse, la salsa. Vous pensez que ça vient d'où en général, la salsa? La salsa, ouais. Espagne? Bon, c'est pas trop Espagne, c'est plus Amérique latine. Samba, maintenant une autre danse. Oh, samba, la samba, samba. La samba Brésil? Brésil, ouais. Rio de Janeiro? Ouais, Brésil, Rio de Janeiro, ouais, c'est bien. Si je vous dis par exemple Garcia Marquez, qui était un écrivain, vous pensez ça? Non. Marquez, Espagne. Non, c'était Colombie, Marquez. Colombie. Bon, il n'y a pas de problème. Si je vous dis par exemple tout ce qui est burritos, fajitas, qui sont des plats. Mexique, ouais, c'est très bien, ouais. Ouais, le Mexique. Mariachi, un mot qui utilise beaucoup dans Mexique le... aussi. Mexique aussi, ouais, c'est ça. Ceviche. Ceviche, c'est poisson cru, c'est. Ouais. Où est-ce qu'ils font ça? Je ne sais plus. C'est au Pérou. Au Pérou, ouais, voilà. En général, c'est au Pérou. Ouais. Simon Bolivar, qui était le libérateur. Espagne. Non, il était de Venezuela. Et c'est bien de tenter. Et on termine, par exemple, la forêt amazonienne. Vous la pensez qu'elle est dans quel pays, la forêt amazonienne? Brésil. Brésil, ouais, il y a d'autres pays aussi. Donc, la majorité au Brésil et d'autres pays, vous seriez dit à peu près? Oh, tous, non. Bon, il n'y a pas en Pérou, Colombie. Oui. Voilà. Bah, je vous remercie beaucoup, c'était très bien. En plus, j'y suis allé 6 fois. Ah oui? Bon, c'était bien. Bah, je vous remercie. Bonne journée. Donc, si je vous dis taco, vous pensez que ça vient de quel pays, le taco, en général? D'Amérique. Ouais, alors c'est l'Amérique latine, ouais, mais un pays, maintenant. Ah, j'aurais plutôt dit que c'était la nourriture nord-américaine. Ouais, bon, ça a été écrit en... Ouais, c'est vrai. Mais après, il y a un pays latino aussi qui est dans l'histoire, en fait. D'accord. Je pense que ce serait lequel, parce que... Ouais, ça a été aux États-Unis, ouais, c'est correct. Mais il y a un pays juste à côté des États-Unis... Les habitants ont beaucoup immigré là-bas et qui ont créé les tacos, vous pensez que ce serait lequel? Non. Dit comme ça pourrait présager que c'est le Mexique. Mais... Ouais, le Mexique, c'était ça, ouais. Si je vous dis le mot, par exemple... par exemple, la salsa, vous pensez que ça vient de quel pays d'Amérique latine, la salsa? La salsa... Pas trop de choix, ok, pas de problème. Ok, on continue. Mais je suis pas sûr. Non, bon. Tout ce qui est Cuba, etc. Maintenant, si je vous dis un joueur de foot, Agüero, Sergio Agüero, vous pensez que c'est de quel pays? C'est argentin. Argentin, ouais, très bien. Patagonie, vous entendez la Patagonie? C'est le sud de l'Argentine. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ceviche, un plat typique d'un pays. Ouais, c'est du Pérou. Du Pérou, ouais, on est bien. Tequila? Mexicain. Ouais, c'est ça. Si je vous dis les pesos, combien de pays? Bon, il y en a beaucoup, mais vous pouvez énumérer au moins un pays qui a les pesos en Amérique latine? Le Mexique, avec... Ouais, le Mexique, c'est sur le Mexique. Ah ouais. Bon, il y a d'autres pays, l'Argentine, le Brésil. Garcia Marquez, la littérature. Garcia Marquez qui a eu des prix de littérature. Ça vient. Garcia Marquez. Je dirais Chili, mais vraiment pas sûr. Chili, non, c'est Colombie. Cumbia, une danse qui est le Cumbia. À peu près l'altitude dans ce coup. Non. Non, pas de problème. Et maintenant, des pays avec la forêt amazonienne. Le Brésil. Ouais, le Brésil, par exemple. Il y en a d'autres? Oui, du coup, si c'est au nord du Brésil, il me semble, ça devrait être du coup la Colombie. Ouais. Les pays frontaliers. Ouais, Brésil, Colombie, ouais. Bon, un peu le Pérou. Bah, je vous remercie beaucoup, c'était très bien. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.